Hey hey, salut tout le monde, c'est Flair et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière plante à vous présenter. Donc le cactus, le fameux cactus. Donc vous avez le cactus tout simple, le cactus de feu que j'ai personnalisé avec les marionnettes à la place des mains, enfin avec une maison sur la tête. C'est vraiment what the fuck, j'adore ça. Le cactus de glace qui est assez sympa mais c'est pas mon préféré. Vous avez le cactus électrique qui est pas mal du tout aussi. Le cactus futuriste que je trouve vraiment stylé de base, je ne l'ai pas modifié, hein. Je veux dire il est comme ça de base. Il est vraiment super sympa. Et il m'en manque encore deux. Vous avez le cactus vitaminé qui est pas terrible, terrible, qui est pas très bon non plus. On va partir directement avec le cactus de feu. Voilà. Alors le cactus de feu, je l'ai personnalisé un petit peu. Vous avez des gestes avec le cactus de feu, vous pouvez faire. Donc pour troller un peu les ennemis quand vous le tuez. Des choses comme ça. Vous avez ça aussi. Et vous avez d'autres choses que je trouve vraiment plus stylées. Je trouve ça juste assez épique. Et le dernier, voilà. Vous avez quelques styles comme ça, quelques petites choses à faire avec le pad. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Moi, je trouve ça vraiment fun. Alors, vous voyez là, je continue à faire des dégâts. Vous voyez, vous avez des 5 qui s'affichent. Allez, meurs, 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 petit ingénieur. Et c'est vraiment un enfoiré. Il a décidé de pas mourir. Putain, puis en plus, même avec les dégâts de. Même avec les dégâts du feu, j'ai pas réussi à le tuer. Alors le cactus c'est pareil, vous avez des choses, ça va être comme le scientifique. Le scientifique, vous avez les petites boules qui font des dégâts quand vous balancez, qui sont adhésives. Et lui, vous avez des mines patates. Alors, hop. Voilà, il me semblait que c'était celui de tout à l'heure. On va essayer d'aider le copain. Voilà, on a réussi. Là je panique un peu parce que le scientifique de presse c'est une horreur, c'est un biologiste marin, comme j'utilisais en plus. Eh ben nickel, et ben vous voyez je vais même monter un niveau devant vous, sans faire exprès. Je viens de passer au niveau 10, sachant qu'il y a 30 niveaux par personnage. Hein. Je vais même débloquer du coup bah, sûrement des personnages en plus. Oh là 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 là. Ah, j'ai réussi quand même à tuer. Alors, vous voyez, il m'a tué avec la fameuse bille que je vous disais, la fameuse petite boule. Alors, le cactus, vous allez avoir. Alors, vous voyez, c'est ce qu'il vient d'envoyer par terre. Vous allez avoir des mines patates, donc ça va être ça. Ou dès que l'ennemi va aller dessus, en fait, il va se la prendre. Il va se prendre pas mal de dégâts. Donc, là, je pourrais essayer de la mettre dans le bâtiment, pourquoi pas, par exemple. Parce que dans le bâtiment il y a quand même pas mal de monde qui vient en général. Je t'ai vu coquin, je t'ai vu. Tu es mort. Alors vous avez une technique moi que j'aime bien faire. Vous mettez. Vous pouvez faire une sorte de mur comme ça. Vous avez une sorte de mur que vous pouvez mettre comme ça. Moi ce que je fais c'est que je mets le mur. Je mets des mines patates derrière le mur. Je mets en général j'en mets deux ou trois. Et je remets. Ah, vous voyez lui il s'est fait exploser par la mine patate. Alors c'est pas la mienne hein, mais il s'est fait exploser par la mine patate. C'était assez épique je trouve. Allez moi je vais faire ça. Tac, tac. Alors lui il a pas. Je sais pas ce qu'il a tourné lui. Alors c'est une technique un peu de gros enfoirés, on est bien d'accord. Hein. J'ai pas dit le contraire du tout, c'est vraiment une technique dégueulasse, mais ça marche assez bien. En plus de ça, quand vous faites ça sur un mode objectif, c'est beaucoup plus simple parce que vous savez de quel côté vont venir les ennemis par rapport aux téléporteurs et autres. Donc un petit mur, là vous voyez, bon on peut tenter de le faire là parce qu'il y a un escalier. C'est le seul point d'accès, vous voyez, ici par exemple. Là vous en aurez deux comme ça. Une petite mine patate ici. Et vous avez aussi autre chose sur le cactus. Vous avez le drone. Donc il vous permet. Ah merde. Eh ben je me suis fait défoncer. Qui vous permet de tuer de loin du coup. Ah mais c'est parce que je me suis fait tuer. Mon cactus est mort. Du coup le drone est mort forcément avec. Vu que j'étais en train de le contrôler. C'est assez logique jusque là. Après ce petit drone c'est pareil, c'est lui qui est vraiment intéressant parce que les téléporteurs ne peuvent être créés que par les zombies. C'est à dire que les plantes dans le mode de jeu auquel je joue, ce qui s'appelle jardin et cimetière. En fait le but du mode de jeu c'est uniquement que les zombies viennent capturer le jardin des plantes. C'est à dire que les plantes
feront toujours de la défense. Et les zombies feront toujours de l'attaque. C'est pour ça qu'à chaque partie, en général, les camps changent. Vous changez de camp. Ah ouais, j'ai pas eu le temps de le régénérer. C'est pour ça que les camps changent à chaque partie. C'est parce que du coup, il faut défendre, attaquer. Ça vous permet de pas toujours faire la même chose. Et ce fameux petit drone, quand vous utilisez un téléporteur, vous avez le fameux tir Y, donc le tir maïs, qui va faire beaucoup de dégâts de zone. Et quand vous allez avoir tous les ennemis qui vont arriver sur la même zone de respawn, qui vont tous prendre le téléporteur, c'est ça qui va être sympa. Alors, on va essayer d'anticiper les mouvements. Et ben, c'est mort, c'est trop tard. Du coup, ouais, ce fameux téléporteur, vous pouvez le péter et faire beaucoup de dégâts à tous ceux qui sont dessus. Alors, vous voyez, celui-là, je l'avais pas encore vu, ce cactus. Le cactus vitaminé, j'avais pas encore vu ce camouflage. Enfin, ce déguisement, du moins. Alors là, ça, le problème, c'est que du coup, nous, on n'a pas possibilité de voler avec le cactus. Par contre, on a possibilité de tirer vachement loin, quand même. Et en plus de ça, on a gagné la partie. Alors, je pense pas que ce soit grâce à moi, hein, mais... Non ! Les zombies. Ah non, on s'est fait éclater la tronche. Ah bah, putain, je me suis enflammé pour rien, quoi, génial. Alors vous voyez, vous avez gagné niveau 10, vous gagnez un nouveau personnage, il me semble. Hein. Je crois que c'est un nouveau personnage. Un nouveau morceau de personnage, du moins. Ouais, il me reste juste la tête pour débloquer un nouveau cactus. Et de la personnalisation cactus en peau. Enfin voilà, c'est vraiment n'importe quoi. C'est totalement what the fuck, c'est assez énorme. Ah si, je termine quand même premier de mon équipe. Mais en face, ils sont un peu meilleurs quand même, hein, que ceux de mon équipe. C'est un peu con, je crois que je vais vous présenter plus de défaites que de victoires, du coup. C'est un peu dommage. Bon, et bah tant pis, du coup, je vous donne rendez-vous demain. Il me semble que ce sera la dernière vidéo. Je crois qu'il me reste un seul zombie à vous présenter, qui sera donc le scientifique. Le scientifique, n'importe quoi, le sportif. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et pour la dernière vidéo de cette... Si je dis pas de bêtises, hein, la dernière vidéo de ces 8 jours plantes versus zombies. Tchuss, bye bye. Ouais, j'ai inversé, mais c'est pas grave. Foutre un type dans son jardin et taper dans la C. Ouais, mais il est blanc quand même. Ouais, n'importe quoi, c'est un cubain. Ouais, mais je parle du tigre. Putain. Tellement radin, il fait cuire ses pattes avec l'eau du bain. Quoi, sérieux? Tu parles. Il est trop radin pour prendre un bain. Il se planque aux chiottes au moment de l'addition pour pas raquer. Même une vidéo YouTube, il voudrait pas la partager.